J'espère que vous allez bien. On est le vendredi 31 mai et tout d'abord, je souhaite aux nouveaux et aux nouvelles abonnés sur ma chaîne. Ça me fait 118 abonnés déjà. Ça avance petit peu par petit bout. Et aujourd'hui, je suis allée à Savigny-le-Temps faire du shopping à Action et à Nos. Ça fait beaucoup longtemps, je suis pas allée faire mes achats là-bas. Vu maintenant, j'habite un peu loin. Avant, j'habitais à côté Créteil. Bon, Maisons-Alfort. Hein. J'habitais à Maisons-Alfort. Ça me prenait 1 heure de train. Maintenant, c'est compliqué où je suis. Faut monter. Faut prendre le RERC là-bas à Chuvisy. Prends le RERD sur Cavineur-Saint-Georges. À Cavineur-Saint-Georges, faut que je prenne un RERD pour qu'il descende vers Melun. Melun pour aller à Savigny-le-Temps. Et ça me prend 2 heures de transport en totalité en plus. Aujourd'hui, il y avait des travaux sur le RERC. Je suis allée à Savigny-sur-Orge pour rien avec le bus. Alors, je suis retournée chez moi pour prendre l'autre bus pour aller à Savigny, à Chuvisy, désolé, à Chuvisy. Parce que le bus exprès pour aller à Chuvigny, pour aller à Chuvigny de Savigny-sur-Orge. Oui, voilà, Savigny-sur-Orge, désolé, je babousse un peu. Savigny-sur-Orge, il y avait du monde blindé. Je ne voulais pas être écrasée comme une crêpe. J'aime pas ça, être serrée. Alors, je suis retournée sur mes pas. Ça m'a pris 1 heure, tout ça. Mais bon, j'avais toute la journée pour faire mes petits shopping. Voilà. Allez, c'est parti pour mes achats. Je vais vous montrer sur ma table parce que là, comme ça, vous me voyez en envers. Mais si je fais sur la table, vous voyez bien à l'endroit. Bon. Si vous avez bien compris, parce que j'ai un nouveau téléphone, j'arrive pas à faire les réglages à l'endroit. Bon, bref. Bon, je vais vous montrer mes achats. À tout de suite. Tout d'abord, on va commencer par Action. Il y a un peu de tout, des gadgets, des trucs pour mon lapin et du scrap. Mais il n'y a pas grand chose. Bon, je vais montrer ceci. Alors, pour le lapin, je lui ai pris du copeau de bois. Voilà. Ça va aller moins d'1 €, je crois, 89 centimes. Là, pour le lapin. J'ai pris un petit plat pour mon petit micro-ondes qui fait four en même temps. Voilà, il me fallait un petit plat pour faire des lasagnes. J'avais un plus grand plat comme ça. Mais il rentrait pas dans mon micro-ondes. Avant, j'avais un grand micro-ondes, mais il est tombé en panne. On a acheté un autre micro-ondes plus petit et je peux plus m'en servir mon grand plat. Alors j'ai pris un petit plat comme ça pour faire des lasagnes ou autre chose, d'autres choses. Voilà, ça va aller 3,85 €, un truc comme ça. Hein. C'était pas plus de 4 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris du Toblerone. Mon chéri, il voulait du Toblerone. Il dit, bon, je vais lui faire plaisir. Je vais lui acheter ça, son petit chocolat un peu pour moi aussi. Moi aussi, je vais en manger. Là. Ensuite, j'ai pris du scotch. Oui, en ce moment, je vends des vêtements à Vinted de mon fils qui vont plus. Voilà, il me fallait du scotch marron pour envoyer mes colis. Là. Ensuite, je me suis pris un chargeur sans fil pour mon téléphone qui est chargement adduction. Je vais vous montrer ceci. Voilà. Alors, l'engeance. Alors, je le branche. Déjà, ça fait vert. Bon, c'est mon ancien téléphone. C'est le Samsung S7. Alors, quand on fait comme ça, voilà, c'est en train de charger.
C'est bien, comme ça on n'abîme pas les fiches USB. Voilà, il est en train de charger en plus avec la coque. Hein, la coque. Je l'ai même pas enlevé quand je suis en train de charger. Voilà, on le pose comme ça. Bah, ça marchait là tout à l'heure. Bon, faut un moment d'adaptation, faut attendre. J'ai recommencé, il fallait que je le débranche. Voilà. Après, ça fait bleu, c'est quand c'est bleu, ça veut dire il est en train de charger. Mais quand il n'y a plus le bleu, ça veut dire que le téléphone il est chargé en bloc. Chargé à 100% quand il n'y a plus le bleu. Voilà, et ça fonctionne super bien avec la coque dessus. Impeccable. J'ai essayé avec mon nouveau téléphone, le S10 aussi, ça fonctionne avec la coque aussi. Voilà. Pour ça. Ensuite, j'ai pris du produit dégraissant pour les plaques, pour le barbecue, pour le moto, pour les meubles du jardin, le gazinier, tout ça. Mais moi, je m'en sers pour mon barbecue électrique. Ça nettoie super bien quand il y a le manger qui est cramé. Impeccable. Voilà pour ça. Ensuite, il y a quoi d'autre? Bon, bah, c'est tout. Maintenant, on va aller sur le scrap. Voilà. J'ai pris du papier comme ça. Là, avec des cactus, un peu tout. C'est couleur vert, très joli. Voilà. Peut-être vous avez vu dans les halls. Voilà, comme ça, des petits cactus avec des petits lamas. On a toujours quatre. Des petits cactus. Des petits triangles. Ça, c'est bien pour faire des fonds de quatre. Des cactus, ça aussi c'est très joli. Des cactus encore comme ça. Là, c'est des tentes d'Indiens. Celui-là, il est beau aussi, il est en relief. Très joli. Voilà. Alors, j'ai pris un roadblock de 30-30. Ça, c'est thème l'automne. J'en avais pas un 30-30 avec les feuilles d'automne. Bon, on n'est pas encore en automne. On est encore en printemps. Bientôt l'été, dans quelques jours. Le 21 juin, ouais, dans moins d'un mois, bientôt. Voilà. Très joli. Il y a des petits dessins là, si vous voyez bien. Le derrière, il y a des feuilles d'automne avec des petites noisettes. Très joli. Le bois. Derrière, il y a les feuilles d'automne. Celui-là avait des petits pois, ça c'est bien pour faire des fonds de quatre, très joli. Celui-là avait des ronds, bon, moyen, mais bon, on peut faire quelque chose sur un fond de quatre. Celui-là avec des petites noisettes, avec les feuilles. Celui-là, il est très joli aussi. Celui-là avec les feuilles. Hop, celui-là comme ça, celui-là avec le bois, très joli. Celui-là
Celui-là aussi, je l'aime bien. Celui-là, j'aime bien aussi. Celui-là. Celui-là, comme ça. Celui-là. Celui-là avec comme les feuilles d'érable là. Trop joli aussi. J'aime bien les couleurs chaudes. Celui-là, comme ça. Du bois. Celui-là avec des petites étoiles. Je crois que c'est des petites étoiles. Celui-là avec des noisettes aussi, des feuilles. Celui-là. Encore des petits points orange. Les feuilles. Bon, bah voilà, on a fait le tour, hein. Voilà. Et le dernier, celui-là. Trop beau. J'aime bien toute la collection. Tout. J'aime tout. Là, ensuite, j'ai trouvé. J'ai trouvé des petits stickers en 3D avec les animaux de la forêt, je sais pas, ouais, je crois, non, bah non, un lion, c'est la jungle, un petit hibou, une girafe, un loup, un lapin, ouais, quand j'ai vu le petit lapin, je l'ai pris, j'ai dit, oh, il est trop mignon, le petit lapin. Un femme en... Non, un paon, un femme en rouge, moi. N'importe quoi. Un paon, là. Et j'ai pris un autre modèle, si je le trouve dans le sac. Oui, celui-là. Oh. Celui-là, thème de gourmandise. Le cupcake. Les petites glaces. Très, très joli comme tout. Voilà, j'en ai pris deux, hein. Pas fait trop de folie, il y en avait d'autres modèles, mais il me plaisait pas. Non, les stickers. Ah non, c'est pas des stickers. Oui, des Chibo stickers. J'ai pris celui-là, je le trouvais trop beau. Il y a un fan, le vélo. Le vélo, j'ai bien, je l'aime bien. Ça aussi, les petits, le cœur, la plume, très jolie. J'ai dit, tiens, vais le prendre celui-là. J'aime bien les couleurs pastel. Ça fait trop joli. Voilà. Ensuite, attendez, un peu le fouiller. Encore sur les sticks, j'ai pris des lamas avec les cactus. J'en ai pris deux comme ça parce que j'ai un échange à faire. Le thème de cactus. Alors je vais lui mettre dans son envoi, j'espère qu'elle n'a pas. Voilà. Celui-là j'aime bien. Il y avait un autre mais plus fluo, j'ai pas trop aimé. Alors j'ai pris celui-là. Celui-là ça va aller. Ça fait bien. Il y avait d'autres modèles. Je sais même plus, il y avait quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris un tampon comme ça. De la mer, parce que j'aime bien les hippocampes, la pieuvre, une tortue aussi. Tout, bah, tout était bien, tout est beau. Thème de la mer, je l'avais pas. J'ai pris une plaque à embosser. Ils ont changé de couleur, ils ont fait vert. J'espère que c'est une plaque à embosser, ouais. Étoile, j'en avais pas en étoile, hein, en vert. Vert fluo. Voilà, c'est les nouveaux. En plus, sont plus épaisses que les autres. Hein. Sont mieux, je crois. Je pense sont mieux, sont plus solides. Bon, je verrai bien quand je vais utiliser. Là, c'est du 15-15. C'est du 15 cm, 15 cm. Ensuite, j'ai pris ces feuilles-là. Embossé de pape. Oh, c'est des feuilles à embosser. Je sais pas, j'ai pris du tiens, j'en ai pas. Ce genre de feuilles.
qui brille. Ah, c'est fin. Ouais, c'est très très fin. Là, ça fait ça. C'est très 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 joli. Ça fait des reflets. Puis c'est granuleux, très joli. Hein, il y a du rose comme ça. Il y a du bleu. C'est deux par deux. Du rose. Voilà, du jaune. Encore du bleu comme ça. Du bleu, mais c'est fin, fin, fin. Très, très, très fin. Le grammage. Ah oui, 80 grammes, j'avais même pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est pour faire des coupes. Hein, ou sur les cartes à coller comme fond de carte. Voilà. Pour ça. Bon, je rangerai ça tout à l'heure. Ensuite, j'ai pris du washi tape en version la jungle là, parce que j'ai du papier la jungle. J'ai dit tiens, ça ira avec mon papier de la jungle. J'en ai pas de ceux-là. Voilà, il y en a une, il y en a sept. 7 sur 3 mètres. Voilà, au 6 mm comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un bloc white pit paper pour faire des stickers, des cartes et des enveloppes. J'ai vu que le design, il me plaisait. Voilà, en plus des beaux autocollants, couleurs pastel, à hippocampe, comme un lama, des glaces, des fleurs, ananas, une vache, photo, hibou. Ah, ceux-là, c'est des stickers. 1, 2, 3. Il y en a 3 comme ça. Ceux-là aussi, c'est des stickers. En plus, il y a le koala, trop beau. Le petit léopard. En plus, il y a un panda. Là aussi, il y en a 3. Il y a une petite licorne. Encore ce fameux animal, le petit koala qui dort, trop mignon. Ben, une tasse de café ou de chocolat, là aussi. Un petit cactus. Là aussi, il en a 3. Ensuite, il y a les bases de 4, trop mignonnes. J'aime bien celui-là. On en a 2 comme ça. Il y a celui-là. Ça, hein, c'est bien pour faire des cadres vite. Vite à faire quand on a un échange à faire. Il y a des petites pochettes. On en a 2 comme ça. Et 2 comme ça. 2 ou 1? Ah, 2. 2. Et là, il y a du papier cadeau. Il y a celui-là comme ça. Il y a celui-là comme ça. C'est très très fin, mais bon, c'est ça dépanne. Ah bah, oui, il y a un double face. Hein? Je ne savais pas ça. Ah oui, il y a l'autre, il est vert et l'autre, il est rose. Voilà, double face. Ça c'est bien. En plus, j'aime bien le design. Bon, voilà pour Action. Et puis, je vais montrer pour Nos. Nos, c'est beaucoup de nourriture. Je vais vous montrer ça. Alors, pour Nos. J'ai pris une préparation de gâteau de zèbre. Oui, de zèbre. Voilà, ça valait 2,29 € à consommer avant le 14 décembre 2019. Bon, j'ai temps pour le faire. Voilà. En plus, c'est bien, il y a le moule au fer. Non, pas la peine de salir notre moule. Hop. On met dans le moule en carton. Après, quand c'est fini manger, on jette tout à la poubelle. Voilà, ça, c'est très pratique. Ensuite, dans la nourriture, j'ai pris des céréales pour le matin. C'est parfum fraise framboise. Dans Mousseline Vitali.
Voilà, ça vaut 99 centimes, ça va, ça fait pas trop cher que dans le commerce, les céréales, ça coûte vers les 3 euros, 4 euros, j'en achète souvent, en plus, ça, c'est pas donné, donné. À consommer avant mai 2019, mais c'est pas grave, hein, c'est encore bon au-delà mai. En juin, c'est encore bon, moi, hein, je peux manger des trucs au-delà de la date, je suis jamais malade. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai trouvé des truffes au café cappuccino. Ah, ça valait 79 centimes pour 100 grammes. Moi, j'ai oublié de vous dire les grammes pour le céréal. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé une tablette de chocolat Freia, barre chocolat Freia. C'est la marque Freia. Voilà, 79 centimes. Et il en a combien de grammes? 141 grammes. Ah, c'est en 3. Il y a 3 lots. Ah, oh, bah, c'est bien ça. Comme ça m'évitera de manger toute la tablette de chocolat. Ouais, j'ai tendance de tout manger et tout. Ouais, je suis une grosse gourmande. Ensuite, j'ai trouvé des gâteaux comme ça. Un chocolat noir et orange digestif. Je crois que c'est des gâteaux digestifs. Fatanea biscuit chocolat noir et orange. Je sais pas. 89 centimes, ça va, hein, c'est pas cher. C'est comme, ça me fait penser les granolas, la forme. C'est comme les granolas, mais là c'est chocolat et orange. Ensuite. Dans la nourriture, j'ai trouvé un gros pot de miel là, tout fleur, miel de fleur à 2,19 € pour 460 grammes. Ça, c'est pour faire mes pains, pour faire du pain d'épices, c'est bien. Ça fait faire un peu de pain d'épices avec ce miel. Ça coûtera moins cher à acheter au commerce, normal. Ensuite, j'ai trouvé ces gâteaux-là, fourrés de chocolat. Il valait 55 centimes. Voilà, il en a 155 grammes pour les gâteaux. Alors, je regarde encore pour la nourriture. Alors, il me reste ces deux-là. J'ai pris des Nespresso pour mon chéri. Je sais pas l'intensité. J'ai cherché dans toute la boîte. Je sais pas, bon, il verra par lui-même. Ça valait 99 centimes que dans le commerce, ça vaut vers les 3-4 euros. Là, 99 centimes, ça vaut le coup. Et j'ai pris une autre marque, encore pour son Nespresso. Et ça valait 99 centimes. Il en a 10. Hein. Celui-là aussi, il en a 10. Et lui, il en a 10. Et je ne sais pas l'intensité aussi. J'ai cherché. Cherché. C'est écrit là, mais. Bon, il verra hein, si c'est fort ou pas fort. Hein, pour à peine 1 euro. On va pas chipoter. Bon, bah, pour la nourriture, on n'en a plus. Bon, produit. Alors, j'ai trouvé du calgon en plus. Ils sont bons. Il y a eu une odeur. Voyons, ma machine, elle va sentir bon. Du calgon, je l'achète souvent du calgon pour que ma machine elle dure plus longtemps. Ça fait combien de temps je l'ai, ma machine à laver? Je crois, il a 10 ans, ma machine. Et depuis le début que j'ai ma machine, je mets tout le temps du calgon. Il n'a jamais tombé en panne. En 10 ans. Peut-être un jour ici, là. Hein, on verra. Bon, bah, pour 4 lavages, et ça valait 3,99 €. Et en commerce normal, ça vaut vers les 5 euros, presque 6 euros. Là, 3,99 €. On va pas chipoter, hein. Et 700 grammes, hein, pour 14 lavages, voilà. Ça, ma machine, elle va durer plus longtemps. J'ai pris des serviettes, il nous fallait des serviettes de table, on s'en sert souvent. Ça valait 98 centimes. Voilà.
Il me fallait des pansements parce que j'en avais plus. Je me blesse souvent quand je fais de la cuisine ou du bricolage. Alors, j'ai pris des pansements et il en a 100 et ça valait 1,99 €. Il y a toutes les tailles, le rond, le rond, le moyen et le petit. J'ai pris du déodorant pour la salle de bain, senteur cannelle. Ils sont super. Bon, quand j'ai senti dans le magasin, oh, je le veux, vais le prendre pour le prix, hein. 1,49 €, voilà, pour sortir bon dans la salle de bain à la cannelle. Et ensuite, à la fin, j'ai pris un truc pour moi. Oui, je me sens gros, gros, j'ai un gros ventre là en ce moment à force de manger des cochonneries. On voit mon petit bidon dans mes robes. Alors, je me suis pris un petit caleçon pour serrer bien le ventre. Voilà, j'ai pris du L. Oh, c'est un boxeur en plus, c'est pas. C'est un boxeur. Du L et ça valait 3,50 €. Voilà pour mes achats chez Nausée Action. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour un auto-haul, mais je sais pas quand. Au revoir!